Hello les filles et garçons, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo d'unboxing de box. On va pas parler de box beauté aujourd'hui, mais on va parler de box bébé et enfant. C'est la première fois sur la chaîne que je vais vous présenter la box Teeny Lou qui est ici. J'ai commandé parce qu'il y avait un code promo qui me permettait d'avoir la box à un tarif tout à fait intéressant. C'est une box que j'ai commandée par le passé pour les enfants. Et ponctuellement, vous pouvez commander des box à l'unité, ça vaut le coup. Donc n'hésitez pas à aller voir sur leur site, je vais vous mettre tout ça. Comment ça se passe? Donc c'est un abonnement que vous pouvez souscrire si ça vous intéresse. Donc vous avez des abonnements pour des box bébés jusqu'à 36 mois. Vous avez un abonnement box enfant pour 3 à 7 ans. Et vous avez ensuite des abonnements future maman. Il y a pas mal de choix, je trouve que c'est assez bien fait comme site. Au niveau des tarifs, c'est 27,90€ par mois, résiliable à tout moment. Chaque mois, donc, vous recevez un coffret surprise adapté à l'âge de votre enfant. Vous avez environ 4 à 6 produits ludiques et éducatifs dans la box. Moi, le code promo que j'avais, alors je ne saurais plus vous le dire, c'était peut-être Welcome 10 ou quelque chose comme ça. Ça m'a fait 10€ de réduction. Donc la box est passée à 17,90€. C'était vraiment très intéressant pour le coup. Sachez qu'en ce moment, il y a une autre offre. Si vous commandez un abonnement ou une box avec le code YUPI, vous avez le droit à une box collector offerte. C'est la box Kids que moi j'ai pris. Vous avez aussi des abonnements couches, mais là, moi, ça ne me concerne plus. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est sans engagement. C'est-à-dire que vous pouvez résilier à tout moment. Donc moi, je compte pas la prendre de manière régulière. Donc il faut que je résilie mon abonnement. Je prendrai peut-être de temps en temps des box. Les enfants arrivent aux 7 ans, donc ce sera plus non plus adapté à leur âge. C'est parti, on va regarder ce qu'elle contient. Donc ça arrive très très rapidement dans une très grande boîte comme ceci. Je vous montre ça. Vous avez un petit dépliant. Donc ce mois-ci, vous avez un magazine pour les enfants, donc Pomme d'Api, qui se glisse dans la box. Effectivement, donc ça c'est chouette. En plus, c'est les vacances. Ils vont partir au ski. Et là, le petit qui commence tout juste à lire, il pourra avoir son petit Pomme d'Api avec lui pour les vacances, sur le thème du ski en plus. Oh, il neige. Ça, normalement, le magazine a une valeur de 6€. Comment ça se présente? On a un petit pochon, Teeny Lou, le coffret des presque grands, Kids. C'est tout à fait. Je vais ensuite la faire découvrir à mon fils, hein, évidemment. Je vais tout refermer. Et le produit qui me semblait intéressant au niveau de cette box, c'est l'aquarellum. Donc c'est un aquarellum mini, avec seulement 3 encres. Nous, on en a déjà des plus grands et c'est quelque chose qu'ils aiment beaucoup faire. Pardon, c'est la marque Santosphère qui fait ça et c'est à partir de 5 ans. Donc là, c'est tout à fait de leur âge. Je pense qu'il y a deux planches. Donc là, c'est sur les dauphins. Ils ont deux planches de dauphins et donc c'est des encres. L'avantage, c'est que c'est fait de façon à ce qu'ils ne puissent pas déborder et ça fait plutôt des jolis petits tableaux. Ce genre de truc, c'est pas donné. Donc je trouvais ça intéressant de l'avoir dans la box. Ça fait 10,90€. Ma box est quasiment rentabilisée. En tout cas, moi, avec le code promo, elle est rentabilisée avec ces deux produits. Donc tout ce que je vais découvrir en plus, ça sera du bonus. Bon, après, si vous la payez 27€, c'est un peu différent. J'avais vu qu'il y avait un très beau mug. Oh là là. Il est canon. Je suis folle de mug. Parce que ça, normalement, c'est censé être pour les enfants, mais non, non, pas du tout. Ça va être pour moi le mug. Il est superbe. Par contre, je vais leur faire cadeau le cacolac. Hein. En plus, ça c'est bon, ils adorent ça. Un petit petite brique de cacolac avec la paille. Paille papier et 30% de sucre en moins, donc Nutri-Score A. Écoutez, ça leur fait un petit goûter en plus. Et donc moi, j'ai cette superbe tasse qui a normalement une valeur de 10€. Alors moi, j'ai eu le panda, mais a priori, vous pouviez avoir aussi différents motifs. Un petit pingouin, un mug trop mignon en forme d'animal pour boire son chocolat chaud au goûter. Ou un petit thé, c'est pas mal aussi. Donc je suis très très contente d'avoir reçu le mug. Ensuite, il y a un petit porte-clés qui est mais tellement mignon. C'est un petit mouton tout doux de la marque Calou. Oh, il perd un petit peu ses poils. Alors ça, c'est vraiment très très choupinou. C'est à se demander si je le garderai pas pour moi non plus. Donc c'est pareil, il y avait petit mouton ou le petit pingouin que vous voyez ici. Et donc ça a une valeur de presque 9€. Hein. C'est 8,45€. Bon, je comprends parce qu'il est vraiment de bonne qualité. C'est une bonne marque, Calou. Donc porte-clés à mousqueton qui s'accroche facilement à un sac à dos ou à un trousseau de clés. Tu auras le sac le plus stylé de la récré. C'est pas faux. Ouais, on est déjà à 30€ de produits. Mais non, même 36, pardon, euros de produits. Ah, et j'attrape donc le dernier produit. Là, je vois... Oui, si, c'est ça. C'est un gel main désinfectant de la marque Milton.
Bon, bah ça, vous savez que c'est le genre de produit qui est rentré dans notre vie quotidienne, alors qu'on n'en avait jamais entendu parler avant. Tous ces gels antibactériens pour les mains, actifs en 30 secondes sur les bactéries, champignons et virus, dont le coronavirus, avec une formule végétale à l'alcool issue de la betterave, hyper pratique en ce moment. Donc ça vaut 2,60 €. J'ai un produit en plus sur le dépliant que je n'ai pas dans... Alors... 5 surprises choisies spécialement pour toi. Une sélection de produits qui ont pu se glisser dans ta box parmi tant d'autres. Oui, parce que je voyais une crème de douche 2 en 1 de Velleda ici, qui avait l'air plutôt pas mal, mais comme je ne l'avais pas reçue dans la sélection, je me posais la question, est-ce que c'est normal ou pas? Gardez en tête que celle-ci doit contenir 6 produits. On va vérifier ça. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Bon, on va dire que c'est bon. En tout cas, moi, ça me va au niveau de des produits. Écoutez, je suis très contente d'avoir craqué sur cette box. Je vais ranger tout ça comme il faut pour la faire découvrir aux enfants. J'espère que ça leur plaira et qu'ils ne seront pas trop déçus que je leur pique le mug. Voilà. J'espère que vous avez apprécié la découverte de cette box. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et on se retrouve très très vite pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!